Bruno Masso, bonjour. Salut. Alors Bruno, champion olympique, retour en France dans ton club formateur. Pourquoi ce retour en France et quels sont tes objectifs à Caen? Avant tout, le retour en France, c'était surtout pour retrouver la famille. Ça faisait trop longtemps qu'on était partis de chez nous. Voilà, mes parents, les parents de ma femme, enfin, c'était vraiment pour retrouver la famille, retrouver les petits cousins, que tout le monde puisse profiter de nos enfants, les voir grandir, retrouver aussi les amis, et puis retrouver nos marques, parce que franchement, quand c'est chez nous, donc voilà, ça fait plaisir de rentrer à la maison, ensuite retrouver la belle patinoire de Caen, mon club formateur, là où tout a commencé pour moi, c'est, voilà, c'est une belle émotion, et j'espère un beau centre qui s'ouvre. Alors, quels sont tes objectifs? Tu viens juste de commencer, première participation au Master avec un couple. Qu'est-ce que tu retires de ce week-end? Une progression, déjà. C'est leur deuxième compétition. Il y a des petites erreurs, il y a des choses à travailler. Ils s'en manquent encore d'expérience. Mais voilà, on voit une belle progression. Ils remportent les Masters. Premier Masters pour eux, ils gagnent. Donc, c'est voilà, ils battent leur record de points. Que du bon pour eux. Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en France pour avoir une vraie école de couple artistique? Voilà la question piège. Comment tu comptes participer, justement, amener ta pierre à l'édifice à cela? Alors, moi, ce que je voudrais apporter, donc voilà, développer la discipline couple, c'est l'objectif de la Fédé depuis un moment déjà. Je voudrais juste apporter voilà, ma petite graine, apporter mon expérience, ma technique. Disons que j'ai vécu beaucoup en France, j'ai vécu beaucoup de choses en France. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, il n'y a pas de rancœur à avoir par rapport à tout ce qui s'est passé pour moi. J'ai envie maintenant d'apporter mon expérience et tout ça à la France, de leur apporter quelque chose. Super. Eh bien, écoute, bon courage dans ton entreprise. Et puis, à très vite, on viendra te voir et te rendre visite à Caen. Merci beaucoup.